Et salut à tous, on se retrouve donc pour la suite de la partie avec le Japon. On venait de mettre à terre la Chine. On avait donné tout le nord de la Chine au Mengkuo. Et donc là, écoutez, on s'apprêtait à tout simplement démobiliser nos troupes. On est qu'en mai 1938. On va attendre un petit peu. Prochain objectif, ça va être simplement. Attendez, si vous cartez des ressources, ça va être les Indes néerlandaises, la Malaisie britannique et l'Indochine française. Voilà. Nos flottes. On va leur dire de rentrer au port. On va refaire le point après. Tout le monde ici. Tout le monde ici. Un petit point. On va récupérer toute l'armée. J'ai dit toute l'armée. On va aller se baser à Nankin. Ça va aller ici et ici. Et du coup, on va complètement démobiliser. Et on va refaire le point après. Hop. On en est où dans les constructions? On va tout réparer. En termes d'infrastructures, de ressources, on est très bien. On va peut-être un petit peu baisser la production d'infanterie. Parce qu'on manque de. On manque de pas mal de trucs. Là, on va dire qu'on va faire tout simplement le point 1938. On va mettre à jour les armes. On va également démobiliser entièrement les chasseurs. Voilà. Donc 5 porte-avions pour l'instant, ils sont là. 5 porte-avions. 5 porte-avions et... Hop. Ouais, je n'ai pas de porte-avions là pour l'instant. Le sous-marin va venir ici. Police militaire. Alors, on va faire le point ici. La logistique. Ça peut être intéressant la logistique. On va faire au niveau des partisans, on est plutôt bien. Et voilà, on va le mettre. On va y mettre. On va modifier. Police militaire. Bon, on manque cruellement de pas mal de trucs quand même.
Ils vont où ceux-là là? Ben ici. Hein. On rapatrie tout le monde. En termes de production du tungstène, là on a un surplus. En requis, voilà. En chrome, on est bon. Caoutchouc, c'est pas tout à fait ça. Tout comme l'aluminium et le pétrole. Le point, on va faire le point après. Bon, on a 200 000 navires, hein. C'est plutôt bon. On a 10 destroyers. Là, on produit plus beaucoup d'aviation. C'est plutôt une bonne chance qu'on ait réussi à battre la Chine en près d'un an et demi, quoi. Les unités de marine, voilà, on va les mettre là. Les unités de cavalerie, on va les mettre là-bas. On va les mettre, on va les mettre ici. Qui arrive d'autres chars. Matériel de soutien. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait ajouter ici? Un hôpital de campagne, on va plutôt booster ici. Là. On met un hôpital de campagne et de l'artillerie de soutien. Là, on a besoin de beaucoup de choses, ça c'est sûr. Ça va être le maréchal qui est ici. Et qui va faire en zone de garnison toute la côte. Ça me paraît pas mal, ça comme ça. Tradition guerrière. Le vent divin. On va faire la suprématie de la marine. Ça va partir ici. Tu restes là. Et qu'après en termes de division, j'ai pas non plus énormément de division. A priori.
continue de se réparer. Là, il faut de ça sur toutes nos îles. Ok, alors là c'est quoi ça? C'est des troupes. Là-bas. Les troupes d'invasion de marine. On va les mettre ici. Je sais pas trop tout ce que ça va donner ici, donc ce général qui très bien va gérer la défense de l'île principale du territoire japonais et il va protéger les côtes. Ici, ça va être les troupes de Yamashita. On va y assigner également celle-là. Et 16 troupes. Et avoir envie de se positionner ici. Excavation qui me donne plus de ressources. Donc on a 1938, ça j'en ai pas vraiment besoin. Ça c'est plutôt bien. 1938, il est temps de développer nos doctrines navales. Suprématie des porte-avions, je pense que ça s'impose. Si on veut faire quelque chose d'à peu près. Historique. Et mais pourquoi vous y allez pas vous? Là, quelle division? Là, on est pas mal. On a beaucoup de choses, mais on est pas mal. J'ai quand même trois usines qui vont arriver. Des usines de construction également. Ça se passe comment en Europe? Le Reich allemand, il poursuit son objectif. Ah, c'est le trou de plus. Voilà. Qu'est-ce que je voulais voir? Je suis en train de faire quoi? Il faudrait que je déploie beaucoup plus de marines. 1, 2, 3, 5, 2. Plus de marines, c'est une évidence. Qu'est-ce qu'on peut rajouter ici?
soutien à la démocratie, amélioration des relations d'opinion, soutien au fascisme. On est déjà à 100%. Mitsubishi, Nakajima, bombardier stratégique, tactique, bombardier naval, ça me paraît plutôt pas mal. Parce que mon objectif à terme, ça sera vraiment les États-Unis. Hein. Donc celle-là et celle-là vont venir se rajouter ici. Non, ici. Quinze, celle-là. On a 210 navires. Les Américains, ils ont plus de navires que nous. Ce petit monde ici. Alors, des choix s'offrent à moi, je dirais. On est bon là, on est bon. Là, on est tout bon. Escorte des convois. Pour l'instant, on va en faire qu'un. Alors, moi, ce qui va m'intéresser, c'est ici, efficacité des missions navales. J'ai dit plus 15% ici. J'ai que 10% là et j'ai 10% ici, alors que là ce serait plutôt dans le stratégique, mais appui aérien ça peut être pas mal. Bon, on va partir sur celui-là. Ça me paraît pas mal, mais bon, là d'un côté, bon, attends, tu vas réfléchir. On va réfléchir. On va plutôt. Allez, on continue. Donc, voilà. On va refaire donc une autre armée. C'est pas facile la marmure. Moi j'ai dit stop. Nos meilleurs généraux, lui en numéro 2. On va attendre les collines, on va mettre celui-là. On va partir à se positionner ici. Là. Oui, alors donc. On va faire ça, on a 4 de plus, on va donc faire un nouveau porte-avions. Du coup, on manque de moyens. Pétrole, on va en commander donc aux États-Unis.
l'aluminium ici, le caoutchouc à la main des hydrotechniques, et de l'acier au Reich. Du coup, ce qu'on va faire, on va continuer de construire quelques usines pour remplacer tout ça. Voilà, bon, ça fait 20 minutes que je tourne, on va s'arrêter là. 9 septembre 1938, on se prépare tranquillement. Je sais pas ce qu'ils font, on est là. On se prépare tranquillement. La guerre contre les amis, c'est pas avant 3 ans, donc on a le temps. Allez, je vous dis à plus tard pour la suite.